regarderai. Des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour leur patrie. Ces hommes, c'était des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas. C'est pas possible. Si ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout, d'eh? Ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa, regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça? Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non? Moi-même j'ai une femme, elle est trop jolie. Toi tu as quoi? On disait, nous sommes français. Nous sommes français. Mais une fois en France... Nous avons vu à quel point nous étions français. On va faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout? C'est tout ce que l'on va faire? Écoute, les choses ici sont... différentes. À 7 ans, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et quand tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens allemands qui l'encerclent. Hey, hey! Il faut garder ton calme. Joue pas les héros. Hein? Reste en vie, petit frère. Je peux plus bouger.
On perd notre identité face à l'immensité de la guerre. Une autre fourmi, un autre cadavre. Était souvent de mauvaise qualité, pas adapté. Fallait apprendre à improviser, fouiller, bricoler. Je me disais, allez Deme, cherche, trouve un moyen pour que ça marche. Thank you.
canot sauvera des vies. De vraies vies. C'est concret. C'est réel. On sait qu'on a fait quelque chose de bien. Alors on se raccroche à cette idée et on rejoint la boucherie. L'ennemi à la plage, on y arrive à la plage.
L'aide arrive. Une traînée dans le ciel bleu. Ce pilote sera récompensé. Et nous, non. Mais on ne le sait pas encore. À ce moment-là, on avait juste envie de remercier cet inconnu et son courage. Laisse-le partir, petit frère. Idrissa, est-ce qu'on a gagné? Ils ont tous fui. Alors, sauf s'ils ont changé les règles du jeu. Waouh, on a gagné. On a gagné? Cessez le feu! On a gagné. On a gagné! On les a eus! On les a battus! On a gagné! On a gagné! Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille de... Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Deme, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr? Idrissa, tu es comme moi, allons. Allons les combattre. J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous. On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question, de quoi d'autre sommes-nous capables? Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous, de la reconnaissance, du respect, pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste, et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y! 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 Dire qu'ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible. À un moment donné, on a été séparés des forces principales. Je suis parti les chercher de mon côté pour qu'on aille attaquer la batterie principale. Il doit bien y avoir quelqu'un en vie, là. Thank you.
tant de morts. J'arrive trop tard. On peut jamais s'enlever cette pensée de l'esprit. Ils ont placé un barrage. Les Allemands ne pourront plus communiquer. Ça m'étonnerait qu'il y ait des survivants ici. On s'accroche à ces petites victoires, car le combat est sans fin et il faut aller de l'avant. Allez, on attaque le cadeau suivant. Allons-y. Idrissa, te voilà. Je savais que tu t'en sortirais. Regarde ça. C'est ça que tu voulais, hein? Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien. Mais on a gagné. Les Allemands prennent la fuite. Ne vous approchez pas, espèce de Schweinhund. On n'avait pas gagné. On n'a pas peur en retraite. Vous allez crever. Vous êtes cernés. On va contre-attaquer. Vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne? Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends.
Ils pensent qu'on va rester là, ou bien battre le trade. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc... Quel est le dernier endroit où ils attendent à nous voir? Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré boulot de tout saboter. Deme, prends ce lance-fusée. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Attends le bon moment pour tirer la fusée et nous dire d'attaquer. Nos vies sont entre tes mains. C'est la guerre. Une grosse machine dégueulasse. Sans répit. Sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. Cette arme ne fera plus couler le sang de mes camarades. On doit se débarrasser de ces canons.
Mes frères, nous allons repousser les lignes ennemies. Ce sera pas facile. Sois courageux. Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté.
Idrissa! Oh mon Dieu! Idrissa! Réveille-moi! Idrissa! Regarde, Idrissa. Nous sommes des rois. Nous sommes fiers de vous et de ce que vous avez accompli. Merci, mon commandant. Faisons une photo pour la postérité. L'armée française a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait et à quel prix. Et j'en suis fier.